Yo la famille, c'est Makobi Kenzi. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Ben, si vous voulez devenir pro dans le jeu eFootball 2022 mobile, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous montrer les différentes façons dont vous pouvez marquer des buts rapidement et facilement dans le jeu. Les amis, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper sur la chaîne. Et maintenant, on va rentrer dans le jeu. Ok les potes, on est dans le jeu. Je vais vous montrer les différentes façons pour marquer des buts facilement dans le jeu. Premièrement, marquer des buts sur Cornet. En fait, en Cornet, il y a toujours un joueur de l'équipe adverse qui se déplace. Et si vous voyez, voilà ce que je fais glisser mon doigt dans cette direction, puis un autre joueur de mon équipe va récupérer le ballon. Et il sera dans le bon endroit pour frapper sur le gardien de l'équipe adverse. Comme vous pouvez le voir. Grâce à cette technique, vous pouvez marquer des buts facilement dans les corners. Voilà, mais il faut bien frapper les amis avec le bouton de tir. Autre façon pour marquer des buts facilement quand vous allez tirer les corners, et il faut appuyer sur changer vue, puis il faut appuyer sur corner coup. Après, il faut appuyer sur la touche en passant juste pour donner le ballon à le joueur qui va demander. Et le ballon, après, il faut donner le ballon à un autre joueur qui est plus proche du but en appuyant sur la touche en passant. Puis, il faut frapper tout de suite. En fait, c'est vraiment important. Les potes, vous pouvez marquer des buts facilement grâce aux passes en profondeur lobée, comme vous pouvez le voir ici. En fait, c'est très important. Voilà ce que je fais. Je fais glisser mon doigt vers le haut sur la touche. Passe en profondeur. Puis, au final, il faut frapper sur le gardien. Mais il faut frapper dans le bon moment. Et voilà, en fait, ça m'aide beaucoup à marquer des buts rapidement. L'une des meilleures façons pour marquer des buts dans le jeu, vous faites une feinte de tir avant de frapper dans le camp de l'équipe adverse. Lorsque vous faites une feinte de tir, ça permet les défenseurs de l'équipe adverse quittent leur position. Et comme ça, ce sera plus facile pour marquer des buts facilement dans le jeu. Et si vous ne savez pas comment marquer des buts à longue distance, parfois c'est un peu compliqué pour traverser la défense de l'équipe adverse. Alors, il faut savoir comment marquer à distance. Alors, pour bien frapper à distance, c'est simple. Je fais glisser mon doigt vers la gauche sur le bouton de tir. Mais les amis, il faut bien mesurer la puissance du frappe. Sinon, ça va passer au-dessus de la barre transversale. Et comme ça, vous pouvez marquer des buts incroyables dans le jeu eFootball 2022 mobile. Grâce à cette technique, les amis, vous pouvez marquer des buts au début de la match ou au début de la deuxième mi-temps. Voilà comment ça fonctionne. Ce joueur-là va donner le ballon à l'un de ses joueurs en face. Après, je vais redonner le ballon à le joueur. Et vous allez voir ça. Et maintenant, les gars, je vais vous montrer comment faire ça pour la passe en profondeur. Et je fais glisser mon doigt vers le haut sur le bouton « Passe en profondeur ». Voilà. Et en fait, c'est pas compliqué pour faire ça. Et voilà ce que je fais. Je fais glisser mon doigt vers le haut sur la touche passe profondeur. Franchement, les amis, c'est l'une des meilleures techniques pour marquer des buts rapidement et facilement dans le jeu. L'une des meilleures façons pour marquer des buts facilement, c'est grâce aux gestes techniques. En fait, lorsque vous faites des gestes techniques, ça vous aide à dribbler et ça permet les joueurs en face de 3 quittent leur position. Comme ça, vous pouvez marquer facilement. Et les gestes techniques sont super importants. Parfois, il faut dribbler pour arriver plus proche du but. Et grâce à des passes enchaînées, vous pouvez marquer des buts facilement. Et il n'y a pas grand chose à dire ici. Il faut tout simplement faire des passes rapidement juste pour arriver plus proche du camp de l'équipe adverse.
Puis il faut tirer quand vous êtes dans le bon endroit. Et quand vous faites des passes enchaînées, c'est difficile pour perdre le ballon. Et parfois, les joueurs de l'équipe adverse ne peuvent rien faire contre les passes enchaînées, surtout quand on fait les passes rapidement. Et les amis, parfois le gardien quitte un peu le camp et ou parfois le gardien sont mal placés. Ben, si vous remarquez ça, vous pouvez effectuer des tirs lobés. Et grâce à cette astuce, vous pouvez marquer des buts incroyables dans le jeu. Et comme vous pouvez le voir ici, en fait, le gardien était mal placé. Alors, pour faire des tirs lobés, c'est simple. Et il faut tout simplement glisser votre doigt vers le haut sur le bouton de tir. Et comme ça, vous pouvez devenir pro dans le jeu. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On va se retrouver dans une toute nouvelle vidéo.